musée Auguste Grasset. Alors, c'est un musée qui tire sa substance, son histoire, de la personnalité d'Auguste Grasset, qui était un collectionneur installé à la Charité, qui est venu s'installer à Varzy en 1862, avec toutes ses collections, qui comportent par exemple un ensemble d'armes et d'objets du Pacifique Sud, aussi de l'archéologie égyptienne. On a également des collections de céramique assez importantes, avec de la faïence de Nevers, des choses un petit peu plus classiques, peintures, sculptures, et puis également des ensembles extrêmement originaux qu'on trouve qu'ici. Je pense à la collection d'instruments de musique qui sont présentés au sein du musée Grasset dans une pièce théâtralisée avec une animation son et lumière. Grasset est un des plus curieux, un des plus riches du département. En plus, sont organisées des animations scolaires, des conférences, des expositions temporaires. Donc c'est une vraie occasion de venir découvrir Varzy. Varzy qui est extrêmement riche historiquement et au niveau du patrimoine. Je pense au lavoir, je pense au château, puis aux environs qui sont tout à fait propices à la promenade en haut d'Hiverny.